Voilà. Donc, je suis la trajectoire et nous arrivons en 93, comme vous l'avez dit. Oui. Le même M. Ouattara, qui était Premier ministre à cette époque, ne voulait absolument pas entendre parler de la succession de M. Bédié, la succession constitutionnelle, c'est-à-dire succession sans élection. Exactement. La Constitution disait qu'en cas de décès du président de la République, c'est le président de l'Assemblée nationale qui devient président de la République. Claire, c'était clair, c'était voté à l'unanimité, c'était adopté, c'était constitutionnel. On appelait ça l'article 11 à l'époque. Eh bien, à la mort du président Houphouët Boigny, le même Ouattara, qui était Premier ministre de M. Houphouët Boigny, en relation, en complicité avec un de nos aînés, paix à son âme, qui s'appelait le président Philippe Yassé, ancien président de l'Assemblée nationale, ensemble, on voulait empêcher l'application de la Constitution. Oui. C'est comme aujourd'hui, encore le Conseil constitutionnel. Oui. Eh bien, là aussi, je me suis opposé. Oui. Et puisque j'étais secrétaire général du PDCI, nous avons réussi, avec les membres du bureau politique et tous les militants, à dire c'est l'application de la Constitution ou rien. D'accord. Et nous avons réussi à imposer, à faire appliquer la Constitution, et nous avons fait une transition pacifique et sans effusion de sang. D'accord. L'adversaire de M. Gbagbo. Oui. En 1993, quelques jours avant la mort du président Houphouët Boigny, je vous dis la vérité, vous comprenez? Oui. Il y a beaucoup d'Ivoiriens qui ne savent pas ce que je vais vous dire. D'accord. En 1993, donc, peut-être une dizaine de jours avant la mort du président Houphouët Boigny, le président Houphouët Boigny était agonisant à Yamoussoukro. Oui. Il était revenu de Genève et il était agonisant à Yamoussoukro. Monsieur Ouattara, Premier ministre, qui était en fait le chef de l'État. Oui. Parce que, dans notre Constitution, lorsque le président de la République est empêché, c'est le Premier ministre qui le représente et qui gère. Qui gère les affaires de l'État. Je peux donc dire que M. Ouattara était pratiquement le chef de l'État en Côte d'Ivoire en 1992 et en 1993. Deux années où le président Houphouët Boigny, physiquement, ne pouvait plus tenir. Ça, c'est une réalité. Et il sait que c'est vrai. J'ai dit que M. Ouattara, sachant que je suis le secrétaire général du parti du président Houphouët Boigny, le plus grand parti de l'époque, n'est-ce pas, m'a appelé, a eu une rencontre avec moi chez lui, m'a proposé d'être avec lui pour que la Constitution, à quand le président viendrait à mourir, ne soit pas appliquée. Et je vous le dis. Et vous avez dit... Et moi j'ai dit non, parce que moi je suis pour la Constitution ou rien. Je lui ai dit non. Je lui ai dit, je ne vois pas ce qui vous permettrait de ne pas appliquer la Constitution. Et puis, je ne vois pas comment vous pourriez accéder au pouvoir sans Constitution, sans élection, sans rien. C'est impossible. Donc, Nous sommes restés à parler de 21h jusqu'à minuit. Il ne m'a pas convaincu. Le lendemain, c'était un samedi, il m'a fait convoquer par son allié et complice, le vieux Philippe Yassé, qui a tenté la même opération. J'ai eu le courage de lui dire, avec tout le respect que je vous dois, président, c'est non. Moi, c'est la Constitution ou rien. Vous comprenez? Oui, monsieur. C'est pourquoi moi, je suis un homme de la Constitution. Lorsque M. Gbagbo a été élu en 2000, j'ai reconnu M. Gbagbo alors que les candidats du PDC avaient été rejetés par la Cour suprême. Mais j'ai reconnu parce que je dis toujours de deux mots, il faut choisir le moindre. Oui. Ceux qui aiment la Côte d'Ivoire ne doivent pas prendre la voie des troubles. Des troubles en Côte d'Ivoire. D'après, vous voyez, nous perdons du temps. Depuis 2000, nous sommes dans les troubles jusqu'à aujourd'hui. On n'a jamais voulu laisser M. Gbagbo gouverner correctement et conformément à la Constitution notre pays. Eh bien, j'ai reconnu le régime en 2000. Le président Gbagbo a été le premier à proposer un gouvernement d'ouverture. Le PDCI que je dirigeais a eu 4 ministres. On a proposé 7 ministres à M. Ouattara. Il a refusé. Alors, vous voyez, donc, un monsieur comme ça, aujourd'hui, qui a refusé la coopération en l'an 2000, parce qu'il n'était pas élu président de la République,
parce que sa candidature avait été rejetée. Bon, je peux douter de sa volonté de dialogue aujourd'hui. Donc c'est mais moi, je vous dis... Il veut le pouvoir par tous les prix, lui, alors. Quand vous expliquez tout ça, oui, ça veut dire que... Oui, mais quand vous... Parce que vous m'avez dit, vous ne voulez pas... Vous n'êtes pas dévoré par une ambition démesurée. Oui, oui. Et vous me demandez si mon autre frère le serait. Je vous cite des faits. Et je vous laisse tirer vous-même les conclusions. Bon, mais on va revenir. Quand vous connaissez mieux ce pays, M. Ouattara, selon les résultats provisoires des élections, il a gagné avec 54%. Et c'était sa base au nord. Est-ce que vous pensez que c'est vrai que... Au nord, il peut gagner parce que c'est plus peuplé, le nord. Non, c'est moins peuplé. Ah, c'est moins peuplé, le nord. Mais oui, le nord, il n'y a personne. Au nord, nous ne sommes pas peuplés. Je suis du nord. Et moi, je ne suis pas un nordiste fabriqué. Je suis un nordiste authentique. Lui, il est fabriqué, alors. Vous voyez, regardez sur mes joues. Oui. Je porte la carte d'identité du nord, de la région dont je suis. Donc, ça ne se discute pas. Mais dont lui, il est discutable alors. Je ne sais pas s'il est discutable. On a clos ce dossier-là. D'accord. Voilà. Mais ce qui n'est pas clos, c'est qui a gagné les élections. Moi, je vous dis, les 54% dont vous parlez, moi, je ne les reconnais pas et je ne les connais pas. Cette affaire est un coup monté, grotesque et même vraiment inintelligent. Oui. Moi, je trouve ça vraiment inintelligent. Donc vous pensez que la France voulait... organiser un coup d'État, chez vous, constitutionnel, un coup d'État sans armes. Mais moi, pas seulement, je ne crois pas, je suis sûr. D'accord. Je suis sûr. J'ai dit, pour moi, avant même les élections, M. Sarkozy, le président de la République française, avait décidé qui serait président de la République en Côte d'Ivoire. Depuis l'élection de M. Gbagbo en Côte d'Ivoire, les autorités françaises ne l'ont jamais accepté. Mais pourquoi expliquez-vous cela, Monsieur Gbagbo, si je me trompe, son papa a été un militaire français, si je ne sais pas. Il est proche, il est francophone, il est francophile, il est membre du International Socialist. Pourquoi les Français ont cette haine ou ne veulent pas de Monsieur Gbagbo? Parce que Monsieur Gbagbo est un président africain qui ne ressemble pas aux autres. C'est comme si vous me demandez pourquoi on a tué Lumumba, pourquoi on a tué Sankara, pourquoi on a mis en quarantaine le président Sékou Touré pendant des années, pourquoi, etc. Oum Yombe, tous ces gens-là. J'ai dit que M. Gbagbo fait partie de la race de ces personnalités africaines qu'on a tuées. Peut-être ils sont arrivés trop tôt. Oui. On les a tués plus rapidement. Mm-hmm. Mais M. Gbagbo est un peu de cette famille-là. Personne n'avait pensé que la Côte d'Ivoire, qui était considérée comme un peu la fille de la France, avec le président Fouet Boyer, même avec son successeur, où la France est à son aise, comme un poisson dans l'eau, personne n'avait imaginé qu'il sortirait un jour d'ici, un Ivoirien, pour dire « nous voulons être souverains, nous voulons être responsables de nos affaires ». Monsieur le Président. Donc M. Gbagbo n'était pas le président attendu. Par la France. Est-ce que M. Houphouët-Boigny n'a pas un peu contribué à ça? Parce que vous le savez très bien, il était la fille de la France et tout. Et M. Houphouët-Boigny a contribué à faire peut-être des coups pour la France ici. Peut-être les Français se sont dit que tous les Ivoiriens sont comme ça, ils sont cons, ils vont marcher comme on veut. Est-ce que ce n'est pas M. Houphouët-Boigny qui a contribué à faire ce genre de. À cause de ces gènes? Moi, j'ai travaillé près de 15 ans auprès du président Houphouët-Boigny. Oui. C'était un homme d'une extrême délicatesse et d'une extrême finesse. Oui, voilà. Il savait la vérité et avait adopté un comportement qui lui paraissait profitable à la Côte d'Ivoire. D'accord. C'était son droit. D'accord. Mais il savait, il a dit de sa bouche, Je sais que mon indépendance n'est pas une vraie indépendance. Ah, il a dit ça de lui. Il a dit ça, je vous le dis, parce que je suis un de ses fidèles. D'accord. Voilà. Je connais, excusez-moi, je ne suis pas modeste, peut-être le président Houphouët-Boigny plus que la majorité des Ivoiriens. Ça c'est vrai. Voilà. Oui. J'étais journaliste, j'étais son journaliste. D'accord. Donc je sais de quoi je parle. Il a dit, je n'ai pas obtenu la vraie indépendance. C'est une indépendance nominale, une indépendance politique. La vraie indépendance viendra plus tard, avec les jeunes.
Et lorsque les jeunes seront formés. Et c'est Laurent Gbagbo alors. Et capables de parler d'égal à égal. D'accord. Oui, je ne sais pas s'il pensait à Laurent Gbagbo, mais moi j'ai le sentiment que c'est Laurent Gbagbo aujourd'hui, parce que c'est lui qui veut parler.